100% Dragon, le podcast dédié aux Drax catalans de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. Bonjour à tous, bienvenue dans 100% Dragon et je suis avec Bruno Anteniente du service des sports de L'Indépendant et spécialiste du rugby à 13. Alors Bruno, les Dragons ont bien lancé leur saison avec une belle victoire à l'extérieur 38-24 à Wakefield. Et samedi 25 février, ce sera la première de la saison à Brutus. Comment les joueurs appréhendent-ils l'événement ? De la plus belle des manières, avec énormément d'excitation. Ça fait 169 jours que les Dragons catalans n'auront plus joué à Perpignan, Gilbert Brutus. Alors il y a eu cette Coupe du Monde au milieu. Du coup, plus de 5 mois que les fans attendent ce retour, mais que les joueurs aussi attendent de retrouver leur public, ce terrain fétiche. Et bien entendu, comme chaque début de saison, les joueurs veulent en faire une terre inviolé. Ils veulent faire vraiment de Gilbert Brutus une citadelle imprenable pour leurs ennemis anglais. D'accord. Et auprès des fans, quelle est l'ambiance ? L'excitation est pareille. L'excitation est encore plus grande. Les Dragons ont goûté au parfum de la Super League vendredi dernier en Angleterre. Il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu ce match de préparation aussi. Mais les fans, ça leur manque. Il leur manque vraiment quelque chose. Plus de 5 mois sans Super League à Perpignan, alors il y a eu de nombreux aménagements du côté du stade Gilbert Brutus, avec une nouvelle sono, des espaces réceptifs développés, il n'y a plus les praticables, il y a les fan zones qui ont été agrandies également. Donc voilà, tout a été mis pour que cette première, parce que la première de la saison, c'est toujours un événement, si la météo est de la partie, ça devrait vraiment être la fête samedi à Brutus. Eh bien, on l'espère tous. À bientôt. À bientôt, au revoir. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.